Ici, on est dans le jardin de la famille Fleury, qui occupe cet espace surtout l'été, et qui loue leur ancienne maison qui date de 1907. Et ils ont décidé d'appliquer la charte des jardins à large échelle. La charte des jardins, c'est une initiative personnelle. Les gens qui la signent s'engagent que moralement, ce n'est pas un label, ce n'est pas contrôlé, à laisser une partie de leur jardin, qui peut être petite, à la nature. Donc c'est plutôt des choses à faire pour favoriser la survie des hérissons, des papillons, des oiseaux, laisser pousser un coin de pelouse, faire une petite ouverture dans sa haie pour laisser passer les hérissons, qu'ils puissent changer de jardin, pas trop avoir d'éclairage nocturne pour que la faune ne soit pas dérangée pendant la nuit, etc. C'est 10 pratiques, toutes simples à mettre en œuvre, qui sont ici sur ce jardin vraiment appliquées de manière très large. Et cette visite, c'est de montrer un petit peu comment on peut faire pour pousser très loin. Mais n'importe quel jardin peut entrer dans la charte des jardins, même un jardin fait de gazon ras, tuya, petit espace. On peut toujours laisser un peu de place à la nature. Ici, pour ceux qui connaissent, c'est le néflier de chez nous. Ça fait des grosses boules brunes et ça se mange, c'est brun, c'est sucré, comme une purée. Cet arbre, qui était très connu et greffé avant dans les anciens jardins, plus personne ne connaissait. Vous pouvez les trouver sauvages dans la forêt. Thank you.